C'est un des prérequis de ma mère. Ma mère m'a toujours dit aucun de mes enfants ne quitte la maison s'il ne sait pas coudre, s'il ne sait pas changer un pneu et s'il ne sait pas se faire à manger. J'ai bac plus 6, j'ai deux masters hautement spécialisés. Qu'est-ce que je vais aller faire pour réparer des machines à coudre? C'est hors de mon champ de compétences totale, quoi. C'était pas de la désévaluation de métier, mais pour moi, c'était... Mais qu'est-ce que... J'ai pas le profil. Clairement, j'ai pas le profil. Avant, j'étais ergonome spécialisé en interface logicielle et cockpit design. Et aujourd'hui, je suis réparateur de machines à coudre et brodeur. Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. Donc ma mère est toujours en Alsace, et puis ben, quand on remonte d'Aix-en-Provence jusqu'à Mulhouse... Une petite trotte Ça fait 7 heures. Ça fait 7 heures. Ben, maintenant on prend les autoroutes, hein. Quand on part tôt le matin, si c'est moi qui conduis, Florie peut se reposer, donc Florie c'est ma femme. Peut se reposer et puis à un moment donné, voilà, là ça convergeait. Tiens, j'ai fait tant de réparations. Tiens, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui m'appellent est-ce que vous revendez aussi? Est-ce que vous avez des machines d'occasion? Quel fil vous conseillez? Quel machin? Quel bidule? Et puis tout ça, ben voilà. Et puis à un moment donné, on était au milieu de la Suisse, donc avec la bonne radio. Radio Suisse, et Florie qui se réveille, et ah, j'ai bien dormi. Et puis là, moi qui lui lance. Qu'est-ce que tu penserais si on ouvrait une boutique? Au départ, c'était... c'est un peu tôt, non? Donc oui, j'étais auto-entrepreneur déjà depuis un an et demi, presque deux ans. Ouvrir une boutique, est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as les qualités? Mais il faut un budget, mais il faut aussi... Bref, on en discute. Et dans la foulée, j'ai pris rendez-vous avec ma banquière pour lui demander comment ça se passait. Et faut faire ci, il faut faire ça, telle démarche, vous avez peut-être des offres, des aides aussi à la création d'entreprise, vous êtes auto-entrepreneur, bref, elle nous a briefé, mais vraiment le strict minimum. Et quelques mois passent, et puis de nouveau, on monte en Alsace, donc ça a eu le temps de mûrir, et moi, il fallait que je discute de ça avec des personnes. Donc la première personne, c'était Tony, au départ, il était là, il était ben. Ça pourrait être une bonne idée, ça dépend de comment tu vois la chose, est-ce que tu vas faire ci, est-ce que tu vas faire ça, faut réfléchir aux machines que tu vas mettre, au matériel et autres. Donc c'était ça, et ensuite je voulais parler aussi à d'autres personnes de la famille qui avaient, elles aussi, fait une boutique. D'accord. Donc il y avait une entreprise. Bonjour, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Déséquilibre. Alors quand j'étais petit, je disais souvent je veux être scientifique, et puis mon père me disait souvent les scientifiques... En quoi? Allez. Et là, ça bûchait. Et par la suite, au fur et à mesure, je voulais devenir psychomotricien. Depuis, donc là, c'est déjà un petit bond dans le temps. On était à peu près au niveau du collège. D'accord. Donc je pense vers 5e. 5e, 4e, hein. Donc là, oui, c'était là-dessus que je voulais me destiner. Et quand j'ai eu le bac, c'est la première chose que j'ai essayé de faire, justement, c'était les concours d'entrée en psychomotricité. Et puis, ben, j'ai été sur liste d'attente, hein. J'étais le 24e, ils n'en prenaient que 20. D'accord. Donc, du coup, il fallait se retourner, et puis à ce moment-là, ça a été un petit peu chercher qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui se rapprochait aussi de, justement, la psychomotricité et autres. Et comme les écoles, ben, c'était déjà un petit peu fermé au niveau des inscriptions, ben, je suis allé en fac. D'accord. Donc tu te lances en première année de psycho. Oui. La première année se termine. Se termine, même très bien, en fait, dès la deuxième semaine. Il y a eu un cours, et puis à la fin, j'étais là en disant « ça ». Je veux faire plus tard. Moi, c'est là-dedans que je veux évoluer. Ce cours m'a littéralement retourné l'esprit. C'était le cours de Eva Louvet, qui est une prof de psychologie sociale. Mmh. Et elle commençait le cours en disant « Bon, alors là, j'ai 5 minutes pour vous convaincre que la psychologie sociale, c'est la meilleure discipline du monde. » Parce qu'en 5 minutes, on convainc son auditoire ou on le perd. Donc elle a commencé son cours comme ça, et puis c'était vraiment une révolution, le cours de... Ah oui, ça a été directement, waouh, ça c'est de la psycho, je m'y attendais absolument pas. Vraiment, j'étais rentré là-dedans comme on rentre dans une voie un petit peu de garage, sans vraiment découvrir ce qu'on va étudier. Encore une fois, moi c'était un petit peu à la dernière minute, il me fallait une formation, sinon je me retrouvais sans rien après le bac. Et du coup, tu termines ta licence?
Alors, il y a eu un petit rebondissement en L2, j'ai refait ma deuxième année, et puis c'est la chose qui m'a aussi conforté dans le fait que je voulais continuer là-dedans. Quand j'ai redoublé, j'avais quand même pas trop mal réussi ma deuxième année. Du coup, le second semestre, je m'étais retrouvé, j'avais 4 heures de cours par semaine. Donc en 4 heures de cours par semaine, ça laisse beaucoup de temps libre. Mm-hmm. Du coup, j'avais demandé justement à Eva Louvet d'aller faire un stage dans les labos de psychosocial, de me rendre compte de ce que c'est la recherche, d'être aussi avec des chercheurs pour vraiment voir comment ça fonctionne, vraiment voir les rouages. Et puis moi, elle m'avait bien cuisiné et c'est à ce moment-là, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et puis au bout d'une heure d'entretien, elle m'avait vraiment travaillé au corps. Je lui ai dit « Ah ben moi, ce que je veux plus tard, c'est votre place. » Donc tout de suite, ça a été changement radical. Je m'attendais à ce qu'elle me dise « Non, mais vous vous prenez pour qui ? Sortez !» En fin de compte, c'est, vous savez, c'est un parcours difficile. Elle a été beaucoup plus compréhensive. Et je crois, une semaine après, il y avait son doctorant qui m'a contacté. « Oui, il paraît que tu veux un petit peu voir la réalité du labo. Si tu veux, nous, on a un poste de vacataire, si ça peut t'intéresser. Bon, c'est pas très bien payé. C'est la fac qui rémunère. Voilà, viens voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. T'arrives effectivement en troisième année. Donc là, oui, très bien préparé. Oui, très très bien préparé. Donc oui, là, je l'ai eu ma troisième année du premier coup. La L1, je l'ai eu au rattrapage. La deuxième, je l'ai redoublée. La troisième année, validée du premier coup, sans problème. Mm-hmm. Donc forcément, sous le conseil des doctorants, quelle est la meilleure faculté pour pouvoir faire de la recherche. Et il m'avait dit, ben, c'est simple, t'as Grenoble et t'as Clermont. Sinon, après, c'est la Belgique à Louvain-la-Neuve. Bon, je voulais pas trop aller en Belgique, je préférais rester en France. Et du coup, ben, j'ai postulé à Grenoble et à Clermont. J'ai eu les deux et j'ai choisi d'aller à Grenoble. Du coup, donc, j'arrive en M1 et puis je commence à travailler, à m'inscrire dans le parcours recherche. Grenoble, à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, il y avait vraiment trois parcours au niveau de la fac. Il y avait tous ceux qui allaient partir en psychologie santé et du travail, tous ceux qui allaient partir en clinique et tous ceux qui allaient faire de la recherche. Et donc, dans le cadre recherche, on était, je crois, une petite vingtaine, il me semble. Et quand on est arrivé en M2, ben, on était plus que 10. Le M1, je l'ai validé en première session. J'étais le seul à l'avoir validé et je l'ai validé avec une très bonne note. Puis là, ben oui, j'étais sur les 12 ou 13. Ben, il y en a une qui n'a pas validé et puis moi qui ai validé avec la note de 15. Donc à ce moment-là, pour moi déjà, la recherche fondamentale, non. Et du coup, il fallait me retourner. Et j'avais vu une personne qui bossait sur ce qu'on appelle les plaques tangibles, donc en ergonomie cognitive. Les plaques tangibles, c'est des sortes de grandes plaques tactiles, mais sur un bureau. On en voit parfois dans les films, par exemple dans James Bond, quand ils arrivent sur le bureau, ils agrandissent directement l'image sur le bureau, ils retournent. Enfin voilà, tout est numérique et la personne m'a dit ah ben oui, là-dedans, il y a pas mal de boulot dans l'ergonomie cognitive. Bref, je regarde un petit peu les facs d'ergonomie, du coup. Je postule quasiment à toutes les facs qui font de l'ergonomie en France. Je visais celle d'Aix-en-Provence et j'ai été pris à celle d'Aix. Bah, comment ça se passe Très bien. En plus, j'ai eu un stage de recherche au CREA, au Centre de Recherche de l'Armée de l'Air, hein, qui est à Salon-de-Provence. Donc j'étais de nouveau dans la recherche. Je travaillais dans des cockpits d'avions, ou des futurs avions, avec justement des jeunes pilotes. Donc vraiment des choses... C'était extra, quoi. Ouais. Donc j'étais... la moitié du temps, je faisais ma recherche à Salon-de-Provence. L'autre moitié, c'était les cours. Et après, on avait énormément de temps libre justement pour faire nos propres recherches, pour faire nos propres projets, puisque les examens en soi, on a eu, je crois, un examen écrit. Tout le reste, c'était après de l'oral, des présentations de projets en groupe. Et du coup, en recherche de stage, j'ai postulé à Airbus Hélicoptère, donc à Marignane. Et j'ai postulé aussi à Airbus, du coup, à Toulouse. Mm-hmm. Puisque mon objectif, c'était vraiment de me lancer dans le cockpit design et dans la gestion de l'attention. Et après, ça a été lâché un petit peu dans la vraie vie et notamment dans la recherche d'une thèse. Ouais, parce que oui, quand tu quittes Toulouse... Donc je quitte mon lieu de stage, ouais. Je reviens à Aix pour ma soutenance et au final, ma femme avait déjà son poste. Mm-hmm. Certes, c'était un CDD, mais il y avait de fortes chances qu'il évolue en CDI ou vers d'autres perspectives d'avenir. Et donc, on a dit, je suis sur Aix, je reste sur Aix. J'ai bossé au CREA, qui est à Salon-de-Provence. Potentiellement je peux trouver quelque chose en partenariat avec eux où il y avait aussi l'IFSTAR, l'institut
Ouf, là maintenant je vais avoir du mal à retrouver le logo IFSTAR, française, Institut français de technologie des transports et aménagement et réseaux. D'accord. Un truc comme ça. Et eux aussi, ils avaient justement toutes ces problématiques de, ben oui, aujourd'hui, l'habitacle d'une voiture, il évolue. Ben, on a le téléphone, on a le GPS. Il y a aussi les enfants à l'arrière qui maintenant peuvent même regarder des vidéos sur des voitures encore plus perfectionnées qui se pilotent toutes seules. Ben, maintenant, il y a même des personnes qui commencent à penser à vouloir mettre des écrans pour passer le temps dans la voiture au final. Si la voiture elle conduit toute seule. Donc comment faire pour par contre que les personnes restent conscientes qu'ils sont dans un environnement qui évolue et qu'ils vont parfois devoir prendre des décisions. D'accord. Et on a monté tout un projet là-dessus justement avec IFSTAR pour une thèse. Ça, ça a été le premier projet de thèse. D'accord. Donc sur lequel j'ai postulé. C'est toi qui as co-créé le projet de thèse Oui, là c'était la personne voulait travailler là-dessus, elle cherchait un doctorant. D'accord. Et du coup, donc là c'est la personne avec qui je faisais de la recherche au CREA, qui m'a introduit auprès de cette personne. Ah ben tiens, oui, elle cherche à faire tel objet d'étude, tel machin, ça pourrait t'intéresser, viens, je te donne son contact. Bon, ben, on s'est eu au téléphone, on a d'abord parlé une heure au téléphone, et après c'était est-ce que vous êtes disponible dans une vingtaine de minutes, on essaie de se retrouver quelque part, boire un coup et on continue à discuter. Okay. Ben oui, tout à fait, et puis après ça a été un petit peu plus formel, puisque ça aurait été une thèse co-dirigée avec d'autres personnes, etc. Dont justement la personne du CREA, puisque le CREA a un matériel de fou, hein, le centre de recherche de l'armée de l'air, ils sont des simulateurs. Oui. Donc c'est intéressant un simulateur quand on veut faire des études sur la tension. Pareil, l'IFSTAR, ils ont un simulateur avec une vraie voiture. Donc là, on se rapproche un petit peu des études qu'ils font chez Airbus. Et comment est-ce que ça se fait que ça ne s'est pas fait finalement? En fait, le IFSTAR, les personnes proposent des projets et après il y a un comité qui décide, ah ben oui, on va allouer tant de crédits à telle discipline. Donc ils examinent les projets, ils examinent les candidats, ils examinent la faisabilité. D'accord. La rentabilité aussi, forcément, il faut que ce soit rentable. Un projet maintenant d'aménagement des routes qui va sauver plus de vies, forcément on va allouer plus de crédits à cette recherche-là que à une autre recherche qui va simplement voir des effets sur par exemple l'alcool au volant qu'on connaît déjà. Alors, il y a déjà beaucoup de littérature. Voilà. Qu'est-ce qui réellement va avoir le plus d'impact, aussi bien auprès du public que aussi nous au sein de la recherche. Et du coup, donc là, non, mon projet n'a pas été retenu. Après, bon, ça c'est le jeu, ils reçoivent 150 projets. Sur 150 projets, ils n'ont pas les sous pour 150 projets, ils n'ont même pas les sous pour une vingtaine de projets. Donc ils sélectionnent aussi en fonction de l'endroit géographique. Salon avait reçu déjà des crédits l'an dernier, donc il y a eu moins de crédits. Bon, ben, c'est pas moi qui était pris, mais c'est pas grave, Thibaut, ne t'en fais pas. On va essayer de un petit peu rebosser le projet, tu le représenteras l'année prochaine. Et je cherchais aussi un job. Okay. Donc là, c'était Pôle emploi, j'ai envoyé des CV, mais ouais, par centaines. C'est toutes les boîtes qui pouvaient avoir besoin d'un ergonome, surtout un ergonome au niveau logiciel ou internet, web. C'était des domaines où moi, j'étais compétent, j'étais même très compétent. Si on sait bosser sur un cockpit, on arrive aussi, si c'est de la gestion d'attention ou de l'utilisabilité, ben, on arrive aussi à le retranscrire dans le domaine numérique. Et du coup, ça a été de la recherche d'emploi à plein temps. Mmh. Et rechercher un emploi, on a aussi beaucoup de temps libre à côté puisque les offres, elles tombent pas, il n'y en a pas toutes les 10 minutes. Surtout pas dans le domaine, dans un domaine aussi de niche que l'ergonomie. En plus, pour moi, j'avais vraiment mes chances parce que j'avais à la fois un diplôme en recherche en psychologie et un diplôme recherche et pro en ergo. Donc j'avais des armes, quoi. J'étais pas la personne qui avait validé son mémoire et qui n'avait que ça. Voilà, j'étais déjà un petit peu armé pour moi. Et dans cette première année se passe, tu continues à chercher des thèses aussi, donc tu repasses une deuxième fois. Alors ça, il y a eu beaucoup de rebondissements entre temps, puisque les sujets de thèse, là par contre, je privilégiais déjà les missions courtes.
Oui. Pour la simple et bonne raison que quand un projet de thèse arrivait, on a un certain laps de temps pour postuler. Bon, il y a le CV, il y a donc la lettre de motivation, mais derrière, il y a aussi tout le projet de thèse. C'est-à-dire, ah ben, tiens, oui, vous nous proposez de bosser dans tel domaine, dans telle thématique, pour résoudre telle question. Voilà, moi, je veux faire par rapport à cette approche-là. Donc du coup, il faut vraiment essayer de réfléchir. C'est un petit peu comme si on bossait déjà la thèse avant même de la commencer, avant même de postuler. Donc c'est pour ça que je privilégiais vraiment des missions courtes qui pouvaient aller de 1 semaine à 2 semaines, parce que s'il y avait un projet de thèse qui finissait, je pouvais toujours finir ma mission de 2 semaines, et ensuite entamer le processus de recherche, commencer à me documenter sur la littérature, commencer un petit peu à voir ce qui a déjà été fait, aussi se renseigner, le porteur du projet, c'est un maître de thèse, il a déjà bossé dans quoi, il a déjà fait quoi, qu'est-ce qu'il a déjà apporté à la littérature, quel est le manque, etc. Et donc derrière, oui, faire un diagramme de Gantt, dire la première année, moi je la vois comme ça, comme ça, comme ça. Au total, j'ai postulé à 5 thèses, et donc la numéro 4, c'était Histar 2.0, on va dire, et la cinquième, ça a été Le Clou qui a refermé le cercueil, c'était pour Renaud. Et Renaud, là par contre, m'a clairement montré que, c'était non seulement moi, mais pour des trucs que je ne pouvais même pas changer. Et du coup, donc j'étais monté justement à ce forum pour voir justement, donc il y avait Renault, il y avait Airbus, il y avait vraiment du beau monde, vraiment de grosses industries. Et là, je suis arrivé chez Renault, et en regardant les projets, je suis tombé sur un projet, mais c'était la paraphrase de celui que je voulais leur proposer. Mais c'était vraiment le même titre, avec juste un petit peu un mot qui différenciait, mais qui avait exactement la même sémantique. À la lecture du projet, c'était oh punaise, mais c'est exactement ce que je veux faire. Donc là, j'avais même insisté pour mettre mon projet en agrafé de mon CV et donner ça aux chercheurs. Pour moi, je suis sorti du forum, j'avais appelé ma femme. Ça y est. C'est bon, j'ai trouvé des personnes avec qui je vais pouvoir bosser. C'est l'opportunité de ma vie. Si je l'ai pas, c'est que j'aurai jamais plus rien. J'étais vraiment parti là-dessus en disant c'est voilà. Et arrive mi-avril. Toujours pas de réponse, donc j'avais le mail de la personne qui coordonnait tout ça. Mmh. Donc je me suis permis de lui envoyer un mail, bonjour, je vous ai rencontré au forum ANRT, blablabla. Avez-vous des nouvelles sur les candidatures? Et je reçois un mail, bonjour monsieur Vilk, votre candidature n'a pas été retenue. Bonne journée. Bon. Donc l'expérience fait que, j'ai pas été retenu. Pourquoi? Donc j'ai commencé à envoyer un premier mail, c'est dommage que je ne puisse pas travailler avec vous. Donc vraiment très formel, très très correct. Qu'est-ce qui a fait ne pouvant aller qu'en s'améliorant, pouvez-vous me dire quels facteurs ont été en ma défaveur? Et la personne m'a répondu par mail, mais ce n'est pas votre CV qui est mise en cause, ni même vos qualités de discussion, etc., ni même votre projet qui est par ailleurs très bon. Quand on te dit ça, tu dis... Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, pouvez-vous m'en dire plus? Et là, la personne m'a dit, chez nous, il y a une réglementation interne liée à l'âge qui fait qu'on ne peut pas travailler avec vous. Donc là, ça m'a... Pouf, vraiment un coup, mais assommant. Mais quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans. Donc on te dit, texto... Texto, c'est votre âge qui a fait que... Et du coup, ça m'avait mis en colère. Donc là, le ton dans les mails ont totalement changé. Et ça a été vraiment... je voulais lui faire cracher par mail, donnez-moi la limite d'âge, je vous arrête en justice. Mmh. Et la personne m'a textuellement dit, chez nous, nous avons un processus de réglementation interne lié à l'âge. Nous n'embauchons pas de thésards au-delà de 26 ans. Je venais de fêter mes 27 ans. Le forum ANRT, il était en début avril. Donc oui, ils m'ont répondu très vite. Et moi, j'avais fêté mes 27 ans le 30 mars, quoi. Donc j'étais là, mais non, quoi, c'est pas possible. Je rêve. Et j'ai directement saisi le défenseur des droits. Mmh. Le défenseur des droits m'a demandé des pièces justificatives, des mails. Donc là, je leur ai envoyé les mails en brut que j'ai eu avec cette personne. Et en juin, le défenseur des droits a statué comme quoi, oui, il y a bien eu une discrimination liée à l'âge.
Mais derrière, on attaque pas Renault en justice comme ça. Faut des sous, faut du temps, faut machin. La seule chose qu'avait demandé le défenseur des droits, c'est que je sois réintroduit dans le circuit de sélection des candidats. Oui. Sauf qu'en juin, les candidats, ils étaient déjà sélectionnés. Donc, problème. Du coup, ça s'est soldé avec Renault qui m'a dit « Ah, malheureusement, tous nos projets ont été attribués. Merci, bonne journée, au revoir. » Et ça, ça a été vraiment, quand je dis, c'est le clou qui a fermé le cercueil. C'est un très gros clou, quoi. C'est limite un pieu. Hein. Et à ce moment-là, pour moi, la recherche était définitivement morte. Clairement, je ne pourrais jamais faire de thèse. C'était fini. Il fallait que je passe à autre chose. Puisque ça, du coup, c'était en avril. Donc, arrive mai-juin. Donc, IFSTAR, forcément, avant, qui était donc le processus de sélection, généralement, IFSTAR, ça tombe en mai. Donc, là, mai, c'était aussi mort. Et je me faisais. En fait, à partir de fin avril, je ne me faisais plus d'illusions. C'était pour moi, je n'aurais de toute façon pas de thèse. C'est même l'IFSTAR, j'y croyais déjà plus, j'attendais même plus la réponse. Oui, c'est ça. C'est, pour moi, la recherche était un rêve que je devais laisser tomber et vaquer à d'autres occupations qui, au final, allaient mettre des sous dans l'assiette, quoi. Puisqu'il faut quand même payer les factures et autres. C'est dur de renoncer à un rêve que tu as poursuivi pendant 5 ans ? Là, ça a été claquer la porte du jour au lendemain. Quand on m'a sorti ça, c'était réellement. J'avais compris que c'était mort. Il n'y avait plus besoin d'espérer là-dessus. Clairement, ça a été la grosse désillusion. Après, encore une fois, hein, j'ai mis un mois, 2 mois à me remettre. Mm-hmm. Ça a été la grosse désillusion. Et après, tu ne vas pas rester planté dans ton canapé ou à jouer à des jeux vidéo. Je suis un grand fan de Tomb Raider. Je me les suis tous refaits. J'avais plus envie de sortir. J'avais plus envie de voir du monde. J'adore le cinéma. J'allais plus au cinéma. Ça a été comme ça, vraiment, pas la dépression, mais la grosse déprime de « Putain, j'ai raté ma vie, quoi, j'ai raté le coche. Je suis allé dans une voie où j'ai été passionné, où j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu, où j'ai essayé de rechercher, j'ai essayé de me battre, et en fait, tout ça, pour rien, ça a été un gros coup. Mais ouais, à ce moment-là, non, faut quand même passer à autre chose. Et du coup, dans ce moment-là, qu'est-ce qui t'a aidé? Comment est-ce que tu en es sorti? C'est avec le chien proche? Le chien. ça a été un petit peu ça qui m'a aussi aidé. Ouais, le fait de le sortir tous les jours, d'aller à l'éducation, c'est ce qui a déjà commencé à me faire ressortir. Et puis après, justement, oui, de passer à autre chose, quoi. C'est voilà, après le chien maintenant, j'avais énormément de temps, donc il était toujours un petit peu là à côté, fallait s'en occuper, fallait un petit peu jouer, donc oui, ça occupe l'esprit, et puis ça fait bouger aussi, ça fait rencontrer des personnes, puisqu'un chien, faut l'éduquer. Mm-hmm. Donc j'allais au club d'éducation, ouais, c'est la chose qui réellement m'a fait remonter le moral. D'accord. Voilà. Ça a été un petit peu le côté, on va dire, salvateur. Ouais. Là, tu te retrouves avec. Donc ce refus de thèse, beaucoup de temps libre, et là tu t'investis encore plus. Ben oui, forcément, j'ai du temps, j'ai de quoi faire. Du coup, j'allais voir la personne à qui on a acheté la machine, était sur Marseille. Mm-hmm. Quasiment tous les samedis matins, je descendais à Marseille. Tu as telle couleur de fil. Ah tiens, j'ai essayé de faire une broderie avec de la mousse pour avoir un volume 3D. Ça n'a pas marché du tout. Et puis déjà, là, lui, il me montrait, ah ben oui, ça, c'est pas le bon matériel. Ça, il vaut mieux utiliser ça, il vaut mieux utiliser ça. Mais bon, j'avais pas un sou. Mm-hmm. Donc du coup, je bradais aussi un petit peu mon travail de couture et de broderie pour avoir un petit peu de sous, et ce que j'arrivais à économiser, une fois le matériel passé, je rachetais un autre matériel pour tester, ou alors une nouvelle couleur pour agrémenter justement les futures créations, etc., etc. Voilà, au début j'avais commencé, je crois j'avais 10 couleurs, maintenant j'en ai une centaine. Ouais. Quand est-ce que tu réalises que d'une passion, d'un passe-temps, ça commence à prendre beaucoup de place? Et quand le matin, avant d'allumer le PC et de me faire couler un café, j'allumais la machine à broder pour terminer la broderie de la veille. C'était littéralement dans mes premiers gestes du matin. Si je me réveillais, j'allais dans le bureau, j'allumais la machine à broder, j'avais déjà préparé ma couleur, je lançais ma couleur, j'allais prendre ma douche, je me faisais mon café, et ensuite j'allais allumer le PC. Alors qu'à l'époque, quand je voulais encore faire une thèse, le premier truc que je faisais, c'était j'allumais le PC, et j'allais voir soit si mon PC avait fini de compiler certaines données, machin, et après ben, j'allais prendre ma douche, le café, je me remettais à bosser. D'accord. Donc là, oui, il y a eu ce petit renversement que...
qui s'est effectué. Et puis, à un moment donné, comme on disait avec ma femme, la machine à coudre a commencé à rythmer nos vies comme une comptoise. On dit généralement, la comptoise, c'est l'âme de la maison. Si la comptoise s'arrête, c'est qu'il y a eu un mort ou autre. Là, c'était un petit peu pareil avec la machine à coudre et à broder. D'accord. Le jour où on n'entendait pas la machine, c'est que vraiment, soit il y avait quelque chose, soit qu'on n'était pas là, quoi. Et donc tu me dis, oui, effectivement, que tu vas régulièrement dans ce magasin pour acheter du matériel, et c'est là où on te propose de réparer les machines à coudre, c'est ça? Alors ça s'est fait un petit peu naturellement, en fait. On me dit, ah ben tiens, donc forcément j'y suis souvent, on sympathise, et il me dit, ah ben tiens, moi je vais vendre mon magasin, la personne qui va le reprendre cherche un nouveau mécano. Tu as des compétences en mécanique, en ingénierie, en logiciel, tu t'y connais un peu là-dedans, tu t'y connais un peu en couture, parce que tu voudrais pas devenir réparateur de machines à coudre. Puis maintenant ça, je sais pas. Et il a fallu quelques mois, que ça gamberge dans ma tête mais qu'est-ce que. En fait, dans ma tête, c'était j'ai bac plus 6, j'ai deux masters hautement spécialisés. Qu'est-ce que je vais aller faire pour réparer des machines à coudre? C'est hors de mon champ de compétences totale, quoi. C'était pas de la désévaluation de métier, mais pour moi, c'était, mais qu'est-ce que j'ai pas le profil. Puis au final, on réfléchit, on s'est dit, pourquoi pas, à la limite, il paraît que ça rapporte. Bon, ça ferait pareil, encore une fois, si je répare 3-4 machines dans le mois. Allez, à 100 euros la machine, ça fait quand même 400 euros, ça pourrait être intéressant, oui, je sais pas. Bon, faut que j'en parle. Je vais retourner du coup voir mon fournisseur, et puis il me dit, ah non, mais t'en fais pas, c'est là-dedans, t'auras du boulot. Ça, c'est le premier truc qu'il m'a dit, c'est là, tu n'auras pas d'entretien à avoir, tu vas chez dans n'importe quelle mercerie ou autre, ou vendeur de machines à coudre, t'auras du boulot. Donc j'étais encore une fois sceptique, une information, je préfère la vérifier. Mm-hmm. Puis il me dit, tu sais quoi, tiens, va voir ce gars. Ce gars, ok. Ouais, va voir ce gars. Va voir ce gars, discute avec lui, parle avec lui et tu verras. Donc il me donne le numéro, en fin de compte, ça a fini au fond d'une poche, oublié un petit peu. Et puis je me suis quand même dit, je vais quand même faire la formation et puis on verra. Et un petit peu avant de commencer la formation de réparation de machine à coudre, justement, il y a ce mec-là qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute, j'ai entendu que tu vas faire la formation à tel endroit. J'aimerais un petit peu en parler avec toi. Puis après, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, fais ta formation. Et quand tu as fini ta formation, tu viens me voir et on en reparle. Et donc, cette visite se passe et tu pars aller faire ta formation. C'est ça, ouais. Une question là-dessus, parce que tu dis que c'est une formation qui t'a coûté quand même beaucoup d'argent. Ouais. 4000 euros, sorti de ma poche d'un coup, sans aide de Pôle emploi. C'est un peu un pari que tu fais, en fait. C'est un pari que je fais. Parce que tu n'as pas forcément beaucoup d'économies en poche. Ah, tout y est passé. Tout y est passé. Tu vis à Marseille, tu vas faire une formation à Lille, où il faut qu'il y ait à temps plein, donc il faut te loger aussi. Faut me nourrir, faut me déplacer. C'était quoi le plan B? C'était vraiment... C'était le plan B, voire même le plan C. C'était aller... C'est un petit peu comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est vrai que c'est beau, une machine à coudre, j'en utilise une. C'était vraiment dans l'optique, je vais apprendre quelque chose qui sans doute me servira, qui au moins me servira pour moi personnellement, et qui potentiellement, puisque apparemment ils recherchent un mécano, potentiellement ça me ferait un job aussi. Au comptoir phocéen, de réparer des machines, au final d'avoir au moins, je sais pas, peut-être un SMIC, mais d'avoir une rentrée d'argent, le temps que je retrouve, réellement un domaine ou une boîte où je referais de l'ergonomie. Parce qu'à ce moment-là, l'ergonomie, tu crois encore? Ah, j'y croyais encore. Ah, ça oui, ça ouais, ça c'est clair. L'ergonomie, j'y croyais encore. Je pense que j'ai arrêté de croire en l'ergonomie quand il y a un mec qui m'a appelé il y a de ça 4 mois ou 5 mois, donc j'étais à fond dans les papiers pour créer la société, et qui m'a présenté un projet, et le projet, il m'a présenté, et je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi, c'est très intéressant ce que vous me dites, mais là, j'ai fait des prêts à la banque, je suis en train de monter ma propre société,
tout arrêter maintenant me coûterait plus que ce que vous me promettez de gagner. En fait, cette discussion avec ce recruteur-là, à ce moment-là, c'était pourquoi je... La question que je me posais, c'est pourquoi je ferais marche arrière aujourd'hui. Je suis heureux dans ce que je fais. Bon, certes, pour l'instant, je suis au début de mon activité, j'arrive pas forcément à me sortir un salaire, mais j'arrive au moins à combler les dettes que j'ai vis-à-vis de ma société et d'investir aussi dans du matériel. Certes, je reste beaucoup plus longtemps, je compte pas mes heures, mais je suis content. Pourquoi je devrais faire marche arrière pour retourner vers quelque chose de nébuleux, avec même un projet où je vais rester pendant 6 mois, 1 an, et derrière, je ne sais pas ce qu'il y aura. Et on... du coup, tu finis cette formation, tu reviens voir Tony, et tu reprends la boutique? Non. Ou c'est... Non, puisque justement, donc, je vais faire cette formation, et entre-temps, donc au départ, je devais avoir des aides de Pôle emploi, que je n'ai pas eues. Parce que justement, ça, c'est le, ça a été le piège. J'ai été auto-entrepreneur, donc pour eux, je n'étais pas demandeur d'emploi. J'étais créateur d'entreprise. Et quand on est créateur d'entreprise, ben, on n'a droit à aucune aide à la formation. Donc je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur en me disant, voilà, je fais mon site internet, je me trouve un nom, j'essaye de me faire évoluer, de me faire connaître. Il y avait aussi Tony qui m'a beaucoup aidé après la formation. Et puis voilà, petit à petit, ben, ça augmente, et à un moment donné, dans ma tête, c'était bon, je me lance là-dedans, j'arrête de chercher l'ergonomie, j'arrive à me faire plus d'argent en réparant des machines à coudre que ce que j'ai réussi à gagner en 2 mois en bossant à Malakoff Médéric. Pour toi, si tu fais un peu une rétrospective de ces années, qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté ? Déjà, je me lève le matin, je suis content. Je peux travailler tard le soir, c'est pas grave, je suis content. Déjà, ça, c'est une grande fierté. La deuxième grande fierté, c'est que il y a des personnes qui me soutiennent. Chose que, ben, au départ, j'avais pas forcément l'habitude parce que je faisais un peu les choses dans mon coin quand je cherchais une thèse. On ne cherche pas forcément de soutien. Oui, forcément, on a le soutien de sa famille, mais il n'y a pas de personne, on va dire, extérieure, de son cercle, de famille, amis, qui apporte son soutien. Aujourd'hui, quand je fais une création, que je publie une création, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont surpris de mon travail, qui sont agréablement surpris de mon travail, qui me soutiennent. Même à un moment donné, voilà, il y avait ma machine qui commençait littéralement à battre de l'aile, ma machine à broder qui, ben oui, je la surexploite. Et j'avais ouvert une cagnotte et il y a des personnes qui, oui, j'aime ton travail, continue, il faut que tu continues. Ça, ouais, quelque part, ça me rend un peu fier. Ça veut dire que ben, ce que je fais, c'est apprécié de beaucoup de monde. Et c'est pas, je suis pas le mec qui fait ça dans son coin le dimanche. Non, j'arrive à rendre heureux certaines personnes et à faire apprécier mon travail. C'est quelque part, ben, ça compte un petit peu pour eux. Et voilà, avoir ce soutien, à la fois j'en suis très heureux et j'en suis un peu fier aussi. Ouais. Écoute, merci Thibaut. Est-ce que tu as un dernier mot ? Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voudrais parler qu'on n'a pas abordé ? Non, pas nécessairement. Déjà, remercier déjà Tony. Ça a été la personne qui réellement m'a ouvert le plus de portes, m'a le plus apporté au final ces dernières années. Et il m'a apporté ça sans compte. L'autre remerciement, je pense qu'il va justement à la communauté étudiantine. Tous ceux qui, au début, me faisaient confiance sans aussi trop savoir pourquoi, ce que ça pouvait donner. Et bon, au final, ça s'est avéré une bonne pioche pour eux, mais c'est clair que c'est pas évident dès le départ. Voilà, je pense par exemple à Messix, hein, peut-être qu'il écoutera, il est sur Paris aujourd'hui, un manipulateur radio, qui a été l'un des premiers à Grenoble quand il a su que je fabriquais les fameux bérets. Il est venu, il m'a fait « Ouais, bah écoute, il m'en faut un, tu peux me le faire ?» Et puis ben, la dernière personne qu'on va remercier, ben, c'est quand même ma femme, puisque déjà elle est là tous les jours. Alors là, vous la voyez pas, elle est en train de faire « Ouais !» Elle est là tous les jours, elle supporte aussi que ben, parfois je finisse à pas d'heure. Et puis voilà, c'est aussi elle qui... Elle a toujours été là dans les bons et mauvais moments. Pour ça, je peux que la remercier du fond du cœur. Merci. Merci Patrice. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si le résultat vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également partager ou liker sur les réseaux sociaux. C'était Patrice pour Déséquilibre. Merci
et passez une bonne soirée.